Bonsoir, nous de retour dans le studio de l'Express pour un deuxième face-à-face de l'année. Il est souvent question de Douban Lauréat de la QV HSI. Bien souvent, quand on est la Douban Lauréat, la question qui vient très souvent sur la table, c'est est-ce qu'ils nous Douban Lauréat, une fois qu'ils ont fini quitter le pays pour aller étudier à l'extérieur, est-ce qu'ils ont retourné dans Maurice, est-ce qu'ils ont vu un travail dans le pays? Quand ça va Lauréat là aller après qu'ils ont fini faire tout ça passage médiatique là? Pour répondre à cette question là ce soir, nous pouvons accueillir un ancien lauréat. Dit-il lauréat en 2019 et d'ailleurs le premier lauréat du collège Python State College pour la catégorie Outside pour HSI. Ce soir, nous avec l'écrage Urboken. L'écrage, bonsoir. Bonsoir. L'écrage en 2019, beaucoup du monde a trouvé moque l'histoire ou vient premier lauréat de Python State College ou paraît sur toutes les plateformes médiatiques. Depuis 2019 à 2023, beaucoup d'affaires finissent arriver. Qui vous pouvez faire à ce là l'écrage? En ce moment, mon congé par rapport à ban état de santé, mais avant un petit peu de travail. Où tu peux travailler. Ouais. Et de 2023, de 2019 à 2023, beaucoup d'affaires finissent arriver avec moi-même, où fin réunir tout bon élément pour venir le lauréat parfait. Un exemple, où la presse qui te qualifie ou de silent fighter à cause de timidité, et nous encore rappelons ça moment où tu viens le lauréat là. On vit devant nous, qui finit passer après ça quand on vient le lauréat, quand on retourne dans l'endroit, ben du monde reconnaît tout. Quand on aussi mais du monde félicite tout, qui finit arriver à ce moment après l'Oréal. Après lauréat, oui, Benjamin félicite moi, Benjamin bien accueille moi dans l'endroit surtout. Et après, je décide pour faire mon étude en Inde, à Bangalore, dans la filière informatique. Filière informatique. Oui. Ou encore rappelle, vous qui êtes à l'école, quand vous rentrez, tout le monde, tout le monde monte la table et crier, fait santé. oui. Où tu expectes ce moment-là que vous pouvez l'Oréal? Moi, pas tu expect proclamation la même, mais. Quand même, nous, tu fais mes efforts. Quand mon temps de premier nom, je suis déçu, déjà, nous aussi, déçu. Me dire, là, quand tu as mon nom, comment le troisième lauréat dans la filière classique, là, me dire, dis-tu bien, expected pour moi. Comment nous fait que, justement, le grand moment que l'écran de Hoboken finit apprendre qu'il vient lauréat, l'équipe de l'Express est sur le terrain en 2019, justement, au Python State College pour vivre ce moment-là avec les Crash Hoboken, nous invitons à revivre ce moment-là en vidéo. Je peux croire si mon ville lauréat, mon obligé, les mains de collègues de travail, est-ce qu'ils n'ont pas même besoin de me nom? Quand ils me confirment, moi, ils commencent à pleurer. Je suis extra content qu'ils me restent honorables, mon professeur, mon maman, et entier Python State College. Commencement, comme tu es dans l'école première, je suis content de gagner le collège, que pas encore aucun lauréat. Moi, je suis envie de vivre une première lauréat. Mais elle est là après, je commence à décourager. Je me décourageais de là, comme une game au résultat SI, vous êtes professeur, vous êtes même volontaire, selfless, vous êtes même une vie envers moi, vous êtes même une commence à être moi, vous êtes professeur, il corrige mon devoir additionnel, même de partie obligée pour faire dire, vous êtes fait dire, vous êtes moi, vous êtes cité ni moi, vous encourage moi, ça coûte, mais je peux faire face à un problème, sans me dire que je peux finir connu. Et mes camarades de l'école, vous êtes tous une bien aide moi, vous respectez moi. Personne ne va naguer avec moi, je te donne et moi de cette capacité. A round of applause for this mother. Please.
Et quand les passés sur ce peu, se mettre des collines annonces, une nouvelle, comme quand les gars Python et State College. Là, moi, je suis bien content parce qu'il était national, collège national. Et je suis content de guerre royale, mais au fait, l'État n'est pas guerre royale, mais j'avais des collèges à moi, le même niveau avec royale. Mais je suis content, là, moi, j'avais là, moi, besoin de faire un suivi. Je suis c'est vrai, même le niveau de royale. Mais l'État n'est pas sur formule, je trouvais ce performance qui est extra bien, c'est-à-dire que tout le temps, tu peux travailler 90 à 100 points. Là, moi, j'avais livré, mais compétition c'est bien tough. Les filles rangent de sa routine compétition là, même à l'école primaire, ce mystère, moi, ils mettent un devoir au tableau. Comment Mistin peut se lacrer, Lycélie peut se plume, il y a une semis pour corriger. Et les scores sans leçon. Mais Mistin, pas tu donnes 100 leçons, tu donnes 99 leçons. Mistin, il même explique moi qu'il fait pas donner 100 leçons. Et moi, si moi donne 100 leçons, les pour overconfident. Alors, l'in tient point. Là, moi, je dis, ça, c'est vrai. Il n'est pas d'accord avec Missa, tu prends un point parce qu'il connaît, il fait tous ses devoirs bien. Donc, avant de dire CPE aussi, il n'est pas trop prend les sons comme il faut, comment tous les enfants prennent les sons, il n'est pas prend les sons pareil. Mais moi, je peux assister mon banni, je fais ce travail à la maison. Qui lit, qui est mon grand garçon aussi, tous les deux, moi, je travaille aussi. Mon travail, en même temps, moi aussi, moi, je peux apprendre ensuite. Quand je ne connais pas, je vais consulter mon dictionnaire. Mais là, il y a un sommet d'école, une job, et ça, il pouvait dans le rayon. Sommet d'école, tu dis. Nous sommes capables de revivre ce moment-là. En 2019, nous rappelons que l'écrasage de Bokun, c'est lauréat, premier lauréat du Python State College. L'écrasage, quand vous regardez Sabandi Marza, vous trouvez Maman Pécosé, vous trouvez un professeur, tout même le recteur, vous pouvez présenter comme le héros de l'école. Qui s'est fait aujourd'hui? Vous pouvez vous revivre cette émotion-là? Je ne vais pas trop guetter, puis je vais me mouvoir. Je pense que c'est quelque chose que je vais apprendre. Je ne vais pas rester dans le passé. Dans le passé, tu as la gloire, mais je vais vivre dans le présent et concentrer sur le futur. Mon vie, permettez-moi de poser une question. Bien souvent, je suis un zen, je pense où vous pouvez répondre. Quand un zen vient de lauréat, il y a beaucoup de monde qui est content, mais il y a du monde qui dit qu'il vient de lauréat parce qu'il est un intello. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou sachant qu'il y a un travail beaucoup pour gagner un résultat en tant qu'un grand amoureux des livres, nous avons ça dans plusieurs interviews. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce système qui faut demander un intello pour venir de lauréat? Non, je ne suis pas concentré totalement sur l'académie. À travers le programme de Duke of Edinburgh, Harvard, mais aussi participe d'un programme côté sport, par exemple, d'un physical recreation, mais je fais côté athlétique et aujourd'hui aussi, je continue là-dedans. Et que je ne pense pas que nous devons trop concentrer dans l'académie parce qu'à un moment donné, nous devons épanouir, nous ne pas être concentrés là. Nous pouvons épanouissement. Je connais qui ou un grand amoureux des livres, un moment dans la vie où tu as le même travail comme shop assistant à la librairie des éditions de l'océan Indien, poussé par ça l'amour des livres là. Vous pensez que quelque part, c'est ça l'amour que on a pour l'écriture, pour la littérature, qui n'amène nous à beaucoup qui ont accompli aujourd'hui? Non, plutôt, je ben contenu ce qui m'a gagné dans le livre là, qui pousse moi à faire faire une décision drastique de la vie, par exemple, je quitte la filière classique pour aller dans la filière informatique. Je pense que c'est un livre qui inspire, nous n'avons pas besoin trop absorber ce qui est dans le livre. Là. Mais un livre qui peut servir comme un repoussoir de la vie. Ok. Et l'écran, je me pose une question encore. Vous permettez-moi, dis-toi et toi déjà. Oui. Puis dans toi, une affaire, un détail, comme on a le check dans l'interview qui se donnait à l'époque. Kinmokman, c'est une information qui c'était ton maman qui te disait ça en 2019. Il disait qu'il tenait un moment de l'enfance, tu étais content, il y a une bonne série télévisée. Et il se fait en colère un moment, parce que tu passes beaucoup de temps devant la télévision. Et dans ce colère, il déchire un de ton livre et le lendemain, il y a un autre livre de toi. Est-ce que c'est ça qui fait ça déclic, qui pousse toi justement quand il arrive ça, pour travailler plus? Parce qu'il y a un moment où ton maman disait, un moment où tu avais tellement de travail qu'on disait, repose un ticket. Je pense que tu as une situation qui. Vraiment, il pousse moi pour compétir, pour gagner scholarship. Et que, comme une fille, tu as aussi un sacrifice, par exemple, pour pas qu'à jouer avec mon camarade, pour pas qu'à jouer football.
et que quelque part, si je gagne lauréat, mon PhD qui te sauve et qu'en ce moment, je peux essayer de récupérer ce qui est mon PhD. Et pour qui ça m'a fait que vous dire qu'une PhD que vous essayez de récupérer là, par exemple, si je peux permettre? Par exemple, je suis content de football et en ce moment, je ne peux pas jouer au football, je peux apprendre à jouer au football. Apprendre à jouer au football? Ouais. Il y a une différence, ça, entre content de jouer au football et apprendre à jouer au football? Non, je suis content de jouer au football et par rapport à ce thème, je peux apprendre à jouer au football. Tu peux être un footballeur professionnel, peut-être? Non, par amour, par passion. Par passion pour le foot. Et so aussi, je veux dire, il y a une restriction, par exemple. Si vous ne pouvez pas jouer, il y a une grande restriction pour jouer au football. Ok. Et c'est maintenant qu'il te fait capable justement de vivre pleinement ça l'amour pour le football. Tu penses que c'est parce qu'il te t'y plie sporté vers l'écriture qui ne fait toi mettre football dans le coin? Oui. Okay. Maintenant, l'écrase après lauréat, tu veux maintenant aller étudier. Dis-moi, raconte-nous ce moment-là, comment ça finit de passer du moment qu'il te fait quitter Maurice pour aller étudier en Inde, pour aller faire filière informatique et te dire qu'il te fait un gros changement, que tu es sorti du classique pour l'informatique. Comment ça finit de passer et comment tu vives 3 ans en Inde? Je pensais que mon aller, c'était une mauvaise décision qu'il me prend. Mauvaise décision? Oui. Parce que je préfère aller vers l'Europe au lieu l'Inde de partir, mon premier choix. Mais l'Inde, comme mon aller, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a des problèmes adaptés à ce système. Le système éducatif est bien différent comparé à nous. Et aussi, à la mentalité asiatique aussi, je n'ai pas adapté. Et que si le Covid est venu. Et aussi, façon de faire des choses, par exemple, l'administration que tu étais, l'institution que tu étais, il y a une administration bien tardive, par exemple, vous êtes fait ping-pong avec vous, vous avez dit, on vient une personne, vous avez un problème, on vient une personne, vous pouvez avoir eu le côté de la personne, vous pouvez jouer avec vous. Et que aussi, moi, ce qui me suis plus content là-bas, c'est. L'informatique, c'est ça la raison si on allé, c'est l'informatique. Mais si là-bas, c'est ok là-bas. Je suis bien concentré sur l'informatique, mais j'ai pratiqué côté technique, par exemple, dans le flowchart, ou dans le pseudocode, ou dans l'algorithme. Et quand on finit tout ça, là on commence à implémenter une solution de plusieurs façons. Je programme une application de plusieurs façons. Mais je suis plus concentré sur ça. Mais le système, je dis, il faut pour faire quelque chose. Par exemple, il faut pour faire soft skills, ça fait ce qu'ils ne sont pas contents de faire, communication skills, tout ça. Je dis, je ne suis pas content de faire tout ça là. Mais tu peux faire pour faire. Et aussi, là-bas, il y a un problème que j'ai remarqué. Il y a le favoritisme beaucoup là-bas. Par exemple, il y a un élève, un groupe d'élèves qui se fait. Je t'allais faire, comment on appelle ça? Je t'allais faire en banque, même je t'allais faire, petit student envers un lecteur. Le système là-bas, je dis, moi, je suis dans un collège, les types de nous 30% de points et que nous t'y affilié à l'université, c'est le Bangalore University. Là-bas, c'était de nous points, le 70%. Qui est arrivé, les élèves, ils étaient petit student, c'est pas pour faire assignment, c'est pas pour faire ce devoir, c'est pas pour atteindre classe, c'est pas pour faire le travail avec mon business, c'est faire mon travail, ce qui va être lecture rapide, c'est mettre points. Elle prépare la salle, elle met des data, lecteurs, computer, tout ça. Mais c'est pas pour concentrer académiquement. Qui est arrivé la fin, au gain 25 ou 30, tandis que Zélie, ce qui n'est pas de faire aucun assignement, c'est de gagner 30 sur 30. Ça veut dire une faveur, puis je gagne 3 sur 30. Et ça, je suis bien pas content. Ça. Enfin, le favoritisme, trouve les gars, au collège. Par exemple, tu as un élève qui tu peux faire, qui tu peux faire tchitoutou envers un missile. Tu peux faire tout ce travail et que ben camarade souvent tu peux taquiner, tu peux dire tout maman ça. Et que quand tu as un problème, ben camarade taquine, tu dis tout maman peut crier toi. Comment tu as dit? Mais ça, ça m'a dit un problème pour moi, le favoritisme. Mais quand dans l'université, quand on trouve ça peut être un problème, que ça peut boire la méritocratie. Par exemple, on me fait tout assignment correctement, tout devoir correctement, tout mon internal assessment me clear. Mais par contre, il y a des élèves, je ne sais pas faire tout ça là, mais seulement c'est ce qui est full mort.
ça me commence bien à gasser moi. Et que le système comme un joli force vous faire mes affaires là-bas. Si ou pas, et que sinon, un problème de money-mindedness qui m'ont trouvé dans l'institution là, que cette force vous donne l'argent, si ou pas donne tout l'argent, il y a un genre d'extorsion qui déroulait. Si vous pas donnez tout l'argent pour faire quitte activité, vous êtes pour mettre un pour cave, faire créer un problème pour gagner au décret là-bas. Ok. Oui, c'est ça qui déroulait. Mais l'écran, je me commets en toi, puis dire tout ce qui finit de passer quand au final on aide. Mm-hmm. Bien souvent, nous, quand on a interviewé ben, lauréat, nous demandons qui t'a offert après ton étude. Je te marie content pour dire qui, bon, pour l'étudier à l'extérieur, on pour faire mon étude, etc. Je pensais que peut-être là-bas, il paradisiaque, l'herbe est plus verte. Mm-hmm. Mais comment est-ce que nous causer là? Il fait paix, non? Il y a tout ce monde d'affaires là-bas. Comment parle-t-il au monde ça? Je pensais qu'il n'y a pas pour avoir vite de bon problème. Par exemple, je trouve une façon pour naviguer. J'ai une activité que j'ai forcément pour faire. C'était le Toastmaster. Toastmaster avait dit on prend la parole devant un entier classe, mm-hmm. ou bien choisir un topic, et qu'environ 10 minutes, ou bien causer. Et que moi, j'ai envie de faire, et que j'ai une camarade mauricien, qui s'appelle Ritik, qui dit que je ne fais pas faire, qui a ses propres avantages. Mm-hmm. La même, on décide pour faire un PPT et une présentation de favoritisme. Ok. Oui. Ça, Zoula m'a encore appelé parce que ça, Zoula, mon grand-mère, mon papa, sa maman, l'étude décédée la moitié de l'année. Que les 16 jeunes, ou selon témoins, on a fait sa présentation là. Et comme on a fait la présentation là, on check classe tu présent, le class teacher tu là, et tu dis tu là, mon camarade, malgré que tu es malade, il n'y a mal pour venir, il ne reste pas venir. Et comme on peut faire la présentation là, vous avez mis expect, on check classe là, tu es tranquille, ben camarade, ben classmate là, mais je veux dire, j'ai l'œil ouvert comme un goldfish comme ça. J'ai la lèvre, j'ai scellé. J'ai pas expect qu'il me parle cause de favoritisme, cause de petit student, tout ça. Comme un élève dans une université, j'ai cave abaissé pour gagner un point. Et que comme on fait ça, je me sens un grand soulagement. Et aussi, je me prépare moi parce que le class teacher appelle moi, je me dis comme ça, qui fait mon sens à topic là. Mais je prends ça avec lui, je dis, vous connaissez. À ce moment, tu peux penser qu'il topic moi pour faire, mais pas n'y a aucun topic. Mais comme on a dormi, ça m'a favorisé, ça m'a flashé dans mon rêve. Je me rêvais et que je me prépare ce topic là, que ça me prépare ce topic là. Comme vous, tantôt, raconte-moi ça. Vous connaissez qui, quand je suis venu lauréat, c'est un mot que tu peux venir souvent, il y a même, il y a fini de dire, le silent fighter. Mm-hmm. C'est l'intimidité qui, beaucoup de monde finit moqué par l'intimidité. Mais nous prenons un garçon timide, il fait venir un Toastmaster cause de votre classe, il n'y a pas de timide, est-ce qu'il n'y a pas une appréhension pour le faire ça, sachant qu'il tenait sa timidité là, justement? En fait, c'est collé là qu'il y a un poussement pour faire, vu qu'il me trouvait comment un favoritisme, il peut borner la méritocratie. Ça ne peut pas apprécier du tout. Il est beaucoup question de favoritisme, comme tu as causé. Mm-hmm. Et là, même, tu expliques-moi qui, quand tu as l'occasion pour dire, tu voice out. Mm-hmm. Ça pousse moi à poser une question. Comme tu as ton discours, tu parles du monde qui envie propose quelque chose, envie sans. Est-ce qu'il te touche pour faire la politique un jour? Vu que je fais que retourne Maurice, et que quand on retourne Maurice, en tant qu'un fresh graduate, c'est la question, c'est qui te peut faire après, que ça te travaille et que quand moi je retourne personnellement, ou qu'il y a certains gens qui commencent patronise ou qui commencent de nouveaux conseils, je vais appliquer tel travail dans tel secteur et qu'elle tape la porte qui gagne pour gagner un travail là. Okay. Et que ça va être des gens là, comment vous pouvez dire, cette pensée qu'ils connaissent tout dans le monde, dans un monde qui peut changer, qui peut évoluer à chaque seconde, je déclare qu'ils connaissent le monde et qu'aussi, je dis, je essaie d'adulte display nous, je dis, ou aux cousins, ou aux enfants, tous les enfants, tu ne peux pas connaître la vie que m'a été, si tu ne peux pas faire, tu peux regretter, si tu ne peux pas demander qui a un travail, tu ne peux pas gagner. Okay. Et que ça, je ne suis pas content de ça. Et que moi, je me refuse, je me reconnais que le backing n'est pas bon. Je dis backing, je ne suis pas capable de faire, je ne suis pas capable de progresser pour le backing. Je pense que
beaucoup de monde se connaît l'histoire des trois petits cochons. Et beaucoup de monde oublie la leçon qui, au parcours, fait la case fondation avec un matériau qui est bien faible. Mm-hmm. Il faut facilement il faut détruire. Il même pas rien de courrier ici, ou pas capable faire ce fondation à base de backing. De hauteur, il faut briser. Il faut bâtir sur le roc. Oui. Et que il y a aussi, mais je traverse devant plusieurs phases, mais il y a un genre de gaslighting aussi qui déroule. Je dis que beaucoup de monde peut progresser par backing. Beaucoup de monde peut arriver par backing. Je force pour questionner nos propres convictions, nos propres valeurs. Je dis que qui fait mon bagage progresser par backing, qui fait mon besoin hésiter pour faire des. Mais quand il ne fait pas bon, il reste pas pour pas qu'il rationalise le mal. Et que c'est ça, c'est. Mais je ne pas prêcher ça, concept de backing. Là. Et tu nous soulèves un point qui est intéressant, qui beaucoup d'années aussi dit, et peut-être à Maurice, nous trouvons, quand un zen finit l'étude au collège, tu n'as comment tu peux dire, tu n'as pas de monde qui vient dire, tu es garçon qui veut faire ça, il fait finir l'étude, et il a forme de ou la fait contre la police, et il a forme de ou la fait contre ça, et il a tel ministre. Tu ne vis pas personnellement, tu n'es arrivé quand tu as une vie de toi, il écrase, tu es un lauréat, mais. Rentre la police, agite tel ministre, rentre telle place. Comment tu vis ça? Comment tu prends l'île? Il y a du monde dans l'entourage qui conseille pour faire l'île, pour ce pour faire l'île. C'est un agent politique, c'est venu, c'est venu de telle réunion et que vous avez quitté en retour. C'est faire l'île, mais pour moi, c'est un non. Moi, je dis non. Politique, non. Non. Moi, je cause politique avec toi un petit peu plus bonheur avant qu'il nous vienne au plateau. Il y a une cause qui te dit, moi, qui suis marré content qu'il t'aurait dit, pour que nous entendions, que te dire, pas nécessaire faire politique si tu as envie sans quelque chose. Explique-nous sa parole-là. Je pense que si nous rendons politique, il n'est pas pour bon pour un pays, mais nous restons dans nos propres positions, faire un bon choix, ce qui est approprié, nous pas nécessairement rendre politique et que. Travail, ce qui nous peut faire, même un travail social, même un NGO, mais je veux essayer de créer une propre identité par base de politique, parce que nous tous connaissons politique, nous avons fait bien mal, propre à l'île Maurice, mais nous avons. Nous, bien faux, hein? Mais nous avons créé une identité d'une façon non politique, d'une façon apolitique. Comme tant toi, causer de causer avec beaucoup de franchises, ouais. de peine à filtre. Là, ça m'amène à poser une question. Avec connaissance qui te n'a rigueur, qui te pesait, comment te dire, politique qui façon était, qui te pensait l'actualité, Maurice, en ce moment, avec tout ce qui peut tendre, ben, manifestation, nous t'en pesait, puis bizarre, alternance politique, parce qu'il n'est pas capable tout le temps votre même affaire, bizarre, un nouveau parti, Perrault beaucoup zénès pour une sans pays, comment nous dire, et même après l'Oréal, c'est une autre polémique encore qui te connaît très bien. Qui te pensait de tout ce qui passait dans Maurice? Pour commencer, pour le polémique, que de racisme, une chanson raciste qui est un établissement secondaire, Chief Fair. Oui. Je pensais beaucoup plus exprimer ma plus grande admiration pour cette institution-là, parce que depuis son enfant, je admire à l'école-là, qu'il produit à lauréat. Oui. Mais comme on entend ça, un propos raciste dans l'établissement secondaire-là, ça me fait moi rappeler un événement dans l'Aisne. Beaucoup d'Indiens sont bien outrés par une ironie frappante quand on a connu qu'une université, le Indian Institute of Technology, malgré qu'il crée un intellectuel de sa grande péninsule là, au même temps, il a découvert qu'il pratique le casteïsme. Ok. Et que ça m'a dit un peu même pareil. Parce qu'il m'a rappelé qu'il y a même un maman qui vient protester devant cet établissement secondaire là. Et que lui dire que si aujourd'hui, ces élèves là, dans un uniforme, ils sentent une chanson raciste, mais demain après demain, ils vont mettre partout qui sont capables de faire pays là. Et que ce qui. Le racisme n'est pas. Nous autres, nous avons une preuve concrète qui est dans le racisme dans tel établissement secondaire, mais le racisme, c'est un peu partout. Il n'est pas dans tel établissement secondaire, il n'est pas qu'à isoler l'établissement secondaire, il n'est pas qu'à démoniser complètement. Parce que
Moi, personnellement, je trouve le racisme parmi les relatives. J'observe ça pratiquement dans l'école primaire. Et aussi, je ne plus trouve dans le collège ce que je peux aller. Parce que généralement, le racisme, qu'il est d'une façon subtile ou non subtile, qu'il est direct ou non direct, il est condamnable. Ok. Quand le racisme, je pratique dans le collège, comme on trouve, les types peuvent être pratiqués par ban dialogue, par ban conversation, par ban bouffonnerie, ban moquerie, par ban tracasserie. Vous pouvez même préciser ban tracasserie inutile. Les types peuvent faire toute cette pratique-là à l'encontre d'une catégorie de personnes Ok. par rapport à une appartenance spécifique. Ok. Mais quand on va le rapporter, tous les temps de Joe ignore. Et quand on nous fait cause raciste, quand on veut dire que quand tu as le rapporté, bana, que l'étiquette dit toi ignoli, mais qui fait ignoli? Est-ce que ça n'est pas créé un problème après ça quand je dis ignoli, je ne pas prendre sanction? Joe ignore parce qu'ils n'ont pas envie de mettre la main là-dedans, ils n'ont pas envie de trouver une solution, ils humorisent la situation, ils ont une plaisanterie. Et que aussi, ce fait que ma job persiste ou non vie gagne la justice, je finis étiqueté tout, je dis comment on peut faire un big issue, ou dans cette manière, je dis comment même avant. Donc, ou bien subir tout dans le silence, et que si on n'en vit la justice, c'est pas pour gagner, au contraire, on gagne une étiquette. Là, nous faisons un chapitre raciste. Il y en a beaucoup à dire là. Dans mes questions, je me pose aussi l'actualité. Tu tiens en pendant 3 ans. À un moment, tu es coupé avec l'actualité mauricienne, même si tu regardes ça à Internet. Quand tu arrives à Maurice, quand tu rattrapes l'actualité mauricienne, tu t'en dis fini dans Old Spill ou Acacio, tu t'en dis fini dans la manifestation, fini dans beaucoup d'affaires qui sont arrivées. Comment tu vis ça en tant qu'enzène quand tu trouves Maurice, fini vivre tout ça là? Qu'est-ce que tu penses de l'actualité actuellement là? Actuellement, et dans le cas de Franklin, ce moment, que c'est à travers l'institution de l'autre pays, c'est-à-dire l'île La Réunion, qui à travers ce pays-là, qui nous connaît l'affaire Franklin, et que nous trouvons aussi qui comment les caractères vivement l'une des morts avec l'enquête. Et que dans le cas de Franklin, là, ben, contraste, par exemple, il y a un terrain à grand bassin qui ben, se fait ben, fait rave, se consomme la drogue là-bas. Ce qui plaît intrigue moi quand Johanna Béranger, Lilithial fait un commentaire, Lilithi servit une expression de la langue créole mauricienne. Bon, j'ai caca diable, mais Oui, causer là. ça veut dire beaucoup, beaucoup d'organisations socioculturelles, une pile d'olive. Ouais. Mais là, dans le cas de Franklin, nous trouvons des tendés qui ne prononcent pas l'aura et les autres, comment dire, un silence radio. Et non, même quand Johanna Béranger passe sa commentaire là, et non, même ban organisation socioculturelle n'a mis de plainte au CID contre Ouais. lui. Mais dans le cas de Franklin, pas trop tout ça là. Mais pose la question qui fait. Qui fait une double standard de cette approche. Quand je tenais un regard assez tranché sur l'actualité, t'es pas peur, puis j'avais des affaires, puis dans filtre, puis dans rien. Et il y a beaucoup de monde qui peut guetter sa émission-là, il y a beaucoup de zen qui peut guetter, qui pour prendre toi comme un idole, parce que t'es quand même un lauréat, t'es nourri dans Maurice, là tu peux donner un avis assez tranché comme ça sur l'actualité. Quel message que tu peux en passer pour sa bande zen qui peut guetter toi ce soir? Parce qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup d'affaires qui m'ont retenu, notamment le fait qu'ils t'en aient l'aine, t'en aient l'étudié, la vie, l'aime n'est pas aussi verte que ça. Tu viens dénoncer ça, nous savons le mot dénoncer, tu ne prononces pas l'actualité. Qui message tu n'as pas besoin qui peut là? Mes pensées, cette bizarre pas nourrir le frayeur de cette liqueur, cette gay droit, cette propre expression, cette propre opinion, cette gay droit exprime, cette bizarre pas hésiter, et que aussi, cette bizarre faire ce choix librement, par rapport à un bon facteur qui. Et ben, facteur là pour influencer, mais c'est bien faire le choix libre et faire ce qu'ils se comptent en faire, c'est ça. Fais ce que je te compte en faire. Ouais. Ce sera le message de la fin, Oui. l'écrase. Je lis le message, fais ce que je te compte en faire. Ouais. L'écrase, ça nous fait nous vraiment plaisir d'accueillir toi, Zodi, dans les studios de l'Express. Nous faisons une repasse quand tu viens de l'Oréal 2019. Une passe sur ton parcours. Nous faisons tant de la vie que tu as donné sur l'actualité. Et aussi, de nous réaliser beaucoup du monde, de ce qui peut passer quand tu allais étudier à l'extérieur. L'air n'est pas aussi vert qu'ils te pensaient. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage à l'écrase de Bocon. Nous souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de persévérance dans ton projet qui
prévenir. Et surtout, nous, la porte pour rester toujours ouverte à Banzen, qui est un message aussi intéressant qui s'est fait passer. Merci beaucoup, l'écrage. Ok, merci. C'était l'écrage Bokun sur le plateau de l'Express. Nous rappelons que l'écrage était lauréat au collège Python, c'était le collège en 2019, Outside, et Chelsea. Nous sommes capables de causer avec lui. C'était en 2019 qu'il est lauréat, et maintenant en 2023, nous sommes capables de suivre un petit peu sur l'évolution. Pour rendre sa émission là possible, je vous remercie ici à Patrice Lajoie, à Belle Pelle, même Raj et tout le monde qui nous contribue pour qu'il nous capable de faire sa plateau là vienne un succès. Merci de suivre nous sur la page de l'Express Maurice. Restez connectés pour plus d'informations et pour d'autres interviews et émissions à venir. Bonne soirée.